L'attaque du Cocoon. L'arme intelligente Cocoon de l'ennemi bloque l'accès à la base. Débarrasse-t'en. Snake, that's Huey's unmanned weapon, the Cocoon. Put it out of commission. Ah, ils ont traduit cocon par erreur. Bah, c'est pas grave. Des dossiers d'instruction, Miller. Oui, bah, forcément, il a quelque chose à me dire dessus. Miller, pièce d'arme intelligente, vas-y, raconte. Apparently, each part of an AI weapon is connected to a memory board inside the AI pod. Destroying a part will release the lock on the memory board. After that, climb in the pod and you'll be able to grab whichever boards you've unlocked. Only thing is, any parts you destroy can't be collected and reused, so you'll have to decide which is more important. Ouais. Mais ça, ça a aucune importance vu qu'on s'est déjà occupé de ça. Je me suis déjà occupé de ça. Bien avance, let's play. Arrêtez l'arme intelligente, Cocoon. That is El Escarabajo, the beetle. Even we don't know the Escarabajo's weaknesses. That's not what I wanted to hear. You could try asking that scientist, Huey, right? This is just common sense, but once it fires a missile, it must take time to reload. And moving a machine of that size must require the release of considerable amounts of heat. Another option would be to take out its weapons. Sorry, I wasn't much help. No, you've given me some ideas. Pff, Chico, sérieux. Huey, lui, il va avoir des choses à nous dire. During development, I had trouble figuring out how to handle the cocoon's excess heat. I'm embarrassed to admit it, but the radiators are most likely its weakest points. They're not heavily armored, as heat wasn't dissipating properly. Where are they? There are multiple radiators on the upper and lower sections. Just look for the exhaust fumes. Only thing is, the upper radiators typically aren't exposed. You should probably shoot for the lower ones first. You could move under its body to access the lower ones, but the cocoon is capable of vertical movement, so be careful not to get crushed. Watch out for missiles and hedgehogs, too. Hedgehogs? Anti-submarine multiple spigot mortars? I adapted the technology for use as a surface weapon. Both the missiles and hedgehogs take time to load, though. It can't fire a hedgehog until the lamp comes on. As for the missiles, watch for the way the hatches move. That'll be my chance to get close. When the hatches open, out come the missiles. Ouh là là, bon, ça m'a l'air bien compliqué tout ça, on verra bien sur le tas. J'avais fait ce boss avec des japonais aussi. Et du coup, bon, j'ai vu approximativement comment fallait faire, mais c'est que ça date tout ça. Et je me souviens plus très bien comment je m'étais démerdé. C'était eux qui avaient fait la majorité du travail de toute façon. Et là, je sens que je vais m'en mordre les doigts. Bon, et comme j'ai dit, hein, comme j'ai dit au début de la session, le problème c'est que là, avec Internet, bah, c'est pas possible. Et je n'ai pas d'accès à Internet avec la PS3. Du coup, si j'échoue, eh bah, je dois recommencer tout seul. Je ne vais pas pouvoir demander de l'aide à un ami. À un ami que je ne connais pas. Donc, voilà. On verra bien. On va faire de son mieux. Ok, c'est parti. Alors là... Get rid of the cocoon. If anybody can handle something this big, it's you, boss. Ben, je veux bien, hein. Le balayage, j'aime pas trop ça. Ah, ah oui, effectivement. C'est un peu bâtard ton balayage. Ouais, ah oui, c'est qu'il a c'est une scie. Oh, une scie circulaire. Aïe aïe. Voilà, ça devrait me protéger approximativement. On tire dans l'intelligence artificielle, hein, de toute façon.
contre ces saloperies, on a bien compris que c'était le plus efficace. Par contre, j'ai plus de marqueur d'approvisionnement là. Merde! Je vois pas trop comment réussir la mission si j'ai plus de marqueur d'approvisionnement. Je vais très vite manquer de munitions. Je veux bien, hein, bon. Mais ça m'a l'air un peu chaud quand même. Ok, je bouge, je bouge, je bouge. Oui. Bon, ok. Il me reste que 39 munitions. C'est la merde. On peut le dire. C'est la merde. Je vais pas aller loin. Facile à dire. Oh merde, erreur. Putain de merde, j'ai plus de balles. À quoi ça sert de lutter si de toute façon j'ai plus de munitions derrière ça? Je vais essayer de voir s'il y a un endroit où on peut en trouver, mais j'y crois pas trop. Hein. Pas de munitions ici. C'est horrible cette mission. Oh. Ah, je me fais pister le cul. Non, non, il y a vraiment aucune munition sur la map. Hein. Je peux pas réussir cette mission, c'est pas possible. Ah, il me reste plus qu'un rocket derrière ça. Que dalle. C'est bizarre que j'ai plus de marqueurs d'approvisionnement. Dans la mission d'avant, j'ai pu en utiliser qu'un. Et après, c'était fini. Je croyais pas que les marqueurs d'approvisionnement étaient limités. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était juste limité par mission, donc c'était pas une limite pour toutes les missions. Du coup, je suis un petit peu dans la merde, là, si c'est vraiment le cas. Non, ça sert à rien, j'ai fait le tour, y a rien. J'ai plus de munitions et c'est autant dire que c'est la fin. J'ai du C4 et des grenades. Je vais me laisser mourir. Je vais essayer de m'équiper mieux. Désolé. What's going on, Snake? Report. What's your situation? Snake! Essaye de faire mieux. Par pitié. J'espère que je vais réussir. Ok, l'attaque du cocoon, oui, c'est bon, c'est la même chose. Préparation mission, alors.
Déjà, mon environnement, il correspond pas du tout à mon camouflage. Il faudrait peut-être un truc plus genre désert. Poussière, des... sable. Quelque chose avec, qui va avec le sable. Qui passe bien dans le sable. Ça, ça passe bien dans le sable. Survival. Ensuite. C'est vraiment bizarre. Fuck, mais je comprends pas là. Bon, je ne sais pas comment on a les... Mais non, les marqueurs d'approvisionnement, ils sont là. Oh, sérieusement? Sérieusement, quoi. J'ai honte de mon erreur, j'ai honte de mon erreur, vraiment. D'ailleurs, il y a un marqueur frappe. Si je l'équipe deux fois, je peux en avoir deux fois plus? Non, faut pas rêver. Je sais pas ce que c'est, ça, mais ça peut être pas mal. Marqueur de... Marqueur a lancé, a demandé une frappe de soutien. L'usage excessif fait baisser l'héroïsme, j'en ai rien à branler. Ok. Bon bah je suis désolé pour ce fail, hein. Je suis désolé là, c'est... J'étais persuadé que c'était dans les objets, dans l'inventaire des objets, mais non, c'est considéré comme une arme. C'est un petit peu con d'ailleurs, parce que bon, j'aurais pensé que c'était considéré comme un équipement plutôt qu'une arme. Mais bon, s'ils disent, on peut passer. Bon, de toute façon, c'est la fin. Le temps que je trouve le moyen de passer à la scène, c'est la fin de la scène. Bref. Ok. Faut commencer par s'occuper de ces putains de mitrailleuses. Oh putain, il commence par son balayage. Faut que je me dépêche de remonter. Dans la mesure du possible. Voilà. Ration. Tiens, prends ça dans les dents, salope. Enfin, ces armes-là sont très gênantes. Si je me souviens bien, quand on monte, elles nous tirent dessus. Ce qui nous empêche d'accéder à l'intelligence artificielle. Quand l'arme est HS. Donc tant qu'on n'aura pas réduit à néant ces mitrailleuses, ça servira à rien de s'occuper de l'intelligence artificielle. Ok, je pense que là c'est bon pour une des deux. On va s'occuper de celle-là. Ouais voilà, en plus il le dit Miller. Aïe. Merde. Ah non, j'en ai pas détruit une encore. C'est vachement long à détruire ces saloperies. Bouge, bouge, bouge. Tout va bien, Snake, tout va bien. On s'en sort très bien pour l'instant. Le marqueur de frappe, c'est... Boum! Ça te va, ça, salope?
Bon, ok, je m'en suis pris un aussi, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que... marque approvisionnement, oui, oui. C'est bien approvisionnement. Non. Et puis quand c'est... Je sais, je me rappelais plus que c'était lancé, mais c'est pas grave. Il me semblait qu'on posait le truc au sol et que ça nous envoyait le truc, enfin ça nous envoyait les munitions et tout. C'est pas grave. J'imagine que c'est ma mémoire qui me joue des tours. Ah ouh, je me suis pris une explosion, je pensais pas que c'était si près. J'essaierai de les avoir au C4, les grosses mitrailleuses, parce que c'est pas possible, elles sont indestructibles. Merde. Oh merde. Ça, tu vas me le payer. Ah, tu fais chier! Il est vraiment casse-couille ce boss, hein. Allez, dépêche-toi, tire! Oh merde. J'aime pas ça. Putain! C'est apprendre à le respect. Je refuse de me faire tirer dessus impunément. Oh non! Non! Non, putain! The birds are weeping! What happened? Snake! Say something! Oh, fais chier! Fais chier! J'avais encore du curry en plus! Je pouvais l'équiper, mais j'avais pas fait gaffe que j'avais plus de rations. Oh là 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 là. Oh, ce boss est vraiment horrible! Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. En plus, voilà, je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais. Je me disais, allez, c'est la première fois que je suis confronté à un problème d'internet. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin de faire appel à des alliés japonais complètement grobiles. Mais là, du coup, j'ai pas internet. Et je pourrais avoir besoin de ces alliés japonais. Mais non, ça va tout simplement pas être possible. Oh là là, il faut toujours que ça tombe mal ce genre de choses. Quoi. Bah bref, si jamais j'y arrive pas ce coup-ci. Je devrais même pas. C'est la troisième fois que je le fais, je devrais même pas réessayer. Je devrais attendre de pouvoir refaire marcher internet. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc du coup, je vais arrêter cet épisode-là.
Enfin, je vais arrêter cet épisode-là. Non, je vais pas l'arrêter. L'épisode va continuer pour vous, mais moi, ça va s'arrêter pour moi le temps que je trouve une solution pour Internet. Donc, on se retrouve tout de suite après le réglage de ce problème. Et voilà. Donc, on y est. On va affronter ce boss donc avec des hôtes. Alors, accès au serveur, canal. Qu'est-ce que c'est ça? Et il me détecte comme un Allemand. Ouais, d'accord, pourquoi pas. International, s'il vous plaît. Je veux que ce soit le monde entier. Donc on va pouvoir être 4 contre ce putain de boss. J'ai peut-être... Qu'est-ce qui... on est plusieurs jours après, en fait. On n'est pas juste après... quelques minutes après, comme j'avais dit tout à l'heure. Enfin, pour vous tout à l'heure. Enfin, bref. Je sais qu'il me manquait quelques petits détails la dernière fois. J'étais équipé d'un sniper? Non, j'avais un lance-roquette, j'en suis persuadé. C'est juste que comme j'ai pas gagné quoi que ce soit, ils m'ont pas sauvegardé mon changement d'arme. Ah, il y a déjà quelqu'un. Ok. Bah, dans ce cas-là... Ok, bon bah il veut qu'on y aille, alors on y va. On est avec un... Je sais pas, c'est quoi, c'est un... C'est quoi ce drapeau? Je sais plus. J'ai peur de dire une connerie, je crois que c'est la Hollande, mais... J'ai peur de dire une grosse connerie, je dis sûrement une grosse connerie d'ailleurs. On peut pas dire que je sois le plus doué du monde pour les drapeaux. Bon alors du coup, cette session va être prolongée, puisqu'on est quelques jours après, et que là j'ai tout mon temps. Et cette fois, on pète la gueule à ce boss, parce que c'est pas possible, que ça va être l'épisode le plus long de tout Peace Walker, parce que j'ai pas réussi à battre ce boss du premier coup, qui m'a fallu plusieurs essais. On sera pas 4, on sera 2. 2 contre 1. Mais le mec doit savoir ce qu'il fait, alors après tout... Voilà, on a l'autre qui est derrière nous dans la cinématique, du coup. Alors lui, dans son jeu, il se voit en Snake, hein, bien sûr, normalement. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Comme ça que ça marche chez McDonald's. Ok. Putain, hey, c'est quoi? C'est un lance-roquette sniper. Bon, j'espère qu'il sait ce qu'il fait, hein, ce mec-là, parce que moi, la dernière fois, c'était vraiment la merde. Ok, donc... Ah non, je croyais qu'il s'était pris la roquette. Ok, donc il vise l'intelligence artificielle, donc je vais le faire aussi, apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je me faisais chier à détruire les mitrailleuses, mais en fait, ça servait à rien, apparemment. On a déjà enlevé la moitié de la vie du truc, quoi. C'est dingue. Attends, je t'aide. Oh yeah. Il arrive plus à chanter, le machin. Il est où? Attends-moi, copain. Copain, attends-moi. Genre les autistes. Copain! Ah, copain! C'est quoi ce bruit bizarre? Ah, mais c'est une gonzesse! Ouais! What? Non! Ah, mais ça fait mal! Putain, je vais crever comme une merde. Merde. Ration, putain! Voilà. Ça aurait été con de mourir sans avoir équipé la ration. Attends-moi, copain! Il est en train de tout faire péter, l'autre trou du cul. Hein. «
comment on fait pour monter? Ah bah oui, d'accord. Bah je crois qu'il va y aller à ma place en fait, le mec là. Ouais, c'est lui qui rentre dedans. Bon bah on n'aura pas la fameuse scène glauque quand on est à l'intérieur de d'une intelligence artificielle. C'est pas très grave. Nous du coup on reste à l'extérieur en attendant. D'ailleurs pourquoi il y a un temps de chargement là? Ok. J'ai pas attaqué l'intelligence artificielle alors que le mec il est à l'intérieur. J'ai attaqué la machine, pas la machine en entier. Aïe! C'est pas dangereux du tout. Merde, j'ai plus de balles. Mais non. Tu vas pas aller loin, Snake, en lui mettant des coups de crosse. En fait, globalement, là, pendant que l'autre il est en train de s'éclater dans l'intelligence artificielle, moi je me fais bombarder, quoi. C'est super. Ah, ça y est. C'est beaucoup plus facile avec un mec qui connaît le jeu par cœur. On perd en épicness quand même. Hein. C'est la gonzesse qui réussit à détruire l'arme, quoi. C'est moche. Enfin. On va dire que c'est Snake qui a réussi tout seul comme un grand. Oh, rang S. Bah oui, forcément. Quand on est aidé, hein, tout de suite. Ça change tout. Ok, j'ai rien eu du tout.